Actuellement, en Côte d'Ivoire, se déroule une édition spéciale de The Voice Afrique francophone. Ils ont appelé ça The Voice spécial Côte d'Ivoire, c'est ça. Ok. En tout cas, les gens qui s'abonnent à moi à cause de José là, pardonnez, c'est à cause de vous, j'ai fait une vidéo ça. Donc, s'il vous plaît, venez regarder. Après une semaine d'absence sur YouTube, j'ai pensé que c'était idéal, c'était un sujet vraiment pertinent. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas regretter le choix de ce sujet. En plus, il y a le soleil, ne me faites pas. Commencez à commenter, likez, mettez les likes. Likez, partagez. Parce que The Voice Afrique francophone spécial Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et quand il y a même écrit, hein. Ah oui, le professionnalisme. J'ai tout écrit ici. Ouais, regardez. En plus, j'écris bien. Donc, c'est pour vous dire que ça ne sera pas du jeu. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez. Voilà. Hello friends, I hope you are. Bon, il y a les anglais là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je viens vous parler de The Voice Afrique francophone. Je viens donner mon avis sur l'émission. Sans plus tarder, on va commencer par les points positifs. Ce que j'aime dans l'émission. Voilà. Parce que c'est pas toujours je regarde. Parce qu'actuellement, ils ont fait aussi pour les blancs, les français. Donc, bon. C'est compliqué de suivre les deux. Hein. C'est compliqué. Mais bon. D'abord, il y a un très beau plateau. Un très, très, très beau plateau. Faudrait qu'on le reconnaisse. Le plateau, il est vraiment beau. Il est beau, il est à la hauteur. Il est à la hauteur des The Voice qu'on voit sur TF1, The Voice Belgique, The Voice USA. En tout cas, le plateau, les gens ne se sont pas amusés avec. C'est très important de le reconnaître. Souvent, il est ici, là. Il rêve depuis des attends. Mais je suis où, là? Where I am? Je suis où? Je suis à New York. C'est beau même. C'est beau. Et c'est pas. C'est qui l'architecte qui a fait ça? C'est qui est derrière ce beau cadre? Il est à saluer. Franchement, 10 sur 10. Côté plateau, vous avez géré. Côté plateau là, ça vous appartient. Comparé à l'année dernière, la qualité de son est. Aucun, on peut rien dire dessus. Vraiment, on entend bien les artistes, on entend bien quand les coachs parlent, quand les coachs s'expriment, on entend bien la voix des candidats. Franchement, on entend bien tout. Vraiment, les candidats sont talentueux. Vraiment, on sent que la production ne s'est pas amusée lors des recrutements. Voilà. Vous voyez, on fait un premier recrutement d'abord des talents. Et puis après, ils viennent maintenant faire les auditions à l'aveugle. Donc, ils ne se sont pas amusés avec ça. Ils ont bien choisi les talents. Les coachs même sont talentueux encore. Candidat talentueux, coach talentueux encore, main dessus. Talent encore, talent de talent. Tout est talent là-bas. Je rappelle les coachs. Il y a José, il y a Mix Premier, il y a Didi B, il y a Onel Mala. Voilà. Donc, José, c'est... variété, tout ça, Miss Premier, coupé décalé, mais oh, souvent aussi les tubes d'amour, oui, non. Maintenant, Didi B, rap, Onel Mala, plus gospel. Voilà, donc ils ont essayé de mélanger un peu les genres musicaux, voilà, pour que tous les talents se retrouvent. Mais est-ce que ça même c'est une bonne chose? L'ouverture. Donc, pendant l'ouverture, on a eu droit à une petite prestation des artistes. Chaque artiste est venu chanter sa chanson. Bon, deux de ses chansons, je crois. José a chanté Côte d'Ivoire, il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour un nom prévu par Dieu. Voir tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant. Une élite du Dieu vivant et ta vie par sa vente pour un avenir ensoleillé.
Non, elle a chanté. Elle a chanté. Elle a chanté. C'était chic. C'était chic. On se retrouvait dedans. En tout cas, elle nous a fait honneur. Tu méritais ta place en tant que coach. Là-bas. Tu es... Elle est forte, même la tante. Non, la tante, elle est forte. Quand elle a chanté comme ça, elle les a tous éteints. Elle les a tous éteints. Tous les coachs qui étaient là. En tout cas, j'ai bien aimé la partie de José. Ouais. Ceux qui sont abonnés à moi, abonnés de José, là. J'ai bien aimé la partie de José. Elle a une voix magique. Je pense que José, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. José. Vraiment, José. Souvent, il me dit est-ce qu'on mérite José, même dans le pays là? Est-ce qu'on mérite José? Est-ce. José mérite d'avoir un Grammy. Un Grammy Award. Vous connaissez les Grammy, non? Aux États-Unis, non? Un Grammy Award. José mérite. José mérite. En parlant de Grammy, mais Miley Cyrus a eu Grammy. Il était grave content. Bon, c'est pas le sujet. José mérite un Grammy là-bas. Il y a déjà. Elle avait comme on attend ici là. Angélique Kidjo. Angélique Kidjo a eu un Grammy. C'est pas c'est plusieurs. Ce que je suis à la Grammy. Elle a Grammy quoi, dans son placard. Là. C'est une fierté africaine. Il reste José maintenant. Voilà. Elle a chanté. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était. Il n'y a pas quelqu'un. Ouais. Elle est forte. Elle est forte. Voilà. Maintenant. Mais ce que j'ai pas aimé par contre, j'aurais aimé parce que chaque artiste est venu chanter. Onel Mala a chanté à toi, à toi, à toi. C'est chic. Il n'y a pas dit non. Didi, même c'est la chanson qui est venue chanter là. Azalaga Péon qui t'a parlé de Chadano. C'est ça la Didi qui a venu chanter là-bas. Hein. Là-bas, tu vas te faire péter un câble. Azalaga Péon qui t'a parlé de Chadano. Papillon, t'as parlé, c'est 15 plaques. Ça quoi le requin, ils vont parler. C'est joli leader, c'est mon samo. Arnaud Mélé Dibi, hey, t'as beaucoup d'argent, donne-moi. Tiens, hey, on y va, côté la côte du tiens, on y va, côté ça, Jesse. Hey, on y va, côté la côte là. Allez, tiens, c'est qui. Oula, c'est ça la Didi Béba de Chouki. Ça, c'est quoi. Déjà, même avant la carte, c'est pas sa partie. C'est parti du petit là, J.L. la mélo. Donc, moi-même, ça m'énervait même. Didi, mais tu as plusieurs chansons de ton répertoire. Tu as plusieurs chansons de ton Azalaka Pengou à Vivre Spong. Ça, c'est quoi? En tout cas, j'ai pas du tout aimé. Et puis, il est là, et puis il danse. Faut pas que tu as fait ça. Tu es un grand artiste. Il y a plusieurs chansons où tu chantes. C'est chic. Genre, tu rappes pas dedans, tu chantes. Comme on dit, la vie est loin, mais la vie est courte. Je te donne un autre contraire, dilemme. Chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi, maman. La vie, il a oublié cette chanson là. Les nanas nous verra les portes, Inch'Allah. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne ne m'a pas dans ma carrière. Ça va, il pouvait faire ça là-bas. C'est pas du tout Azalaka pour moi, mais il n'a pas trop compris Azalaka pour nous. Principe d'Azalaka pour nous là, non, Didi, mais plus jamais. Si l'année prochaine tu es coach, faut bien. J'aurais aimé une ouverture avec tous les coachs. Genre tous les coachs allaient chanter une chanson commune. Parce qu'ils sont partis chanter, chacun chanter sa chanson. On ne les a pas vus sous d'autres angles. C'était bien par exemple de chanter, je sais pas moi, et tu allais chanter un Baïs Pinto. Vous connaissez Baïs Pinto? Vous connaissez? Le nom qui a chanté. Taxi Zunyo, Oya Momwe, Oya Momwe, Ina Beli Anikenwa. Taxi Zunyo, Oya Momwe, Oya Momwe, Ina Beli Anikenwa. Ma partie. Ou nous calerons mourir, notre hyper préco. Taxi Zunyo. Ou calerons mourir, Nario. Taxi. Bref, ils auraient pu chanter ça. Ils auraient pu chanter cette chanson, hein, eux tous. José allait chanter dessus. Mix Prenny allait chanter dessus. Peut-être Didi Bey, c'est pas Didi, ça allait faire un petit rap.
ou bien il allait essayer, il fallait donner quelque chose. Peut-être il allait taper tam tam, je ne sais pas, en tout cas il allait trouver un rôle à DDB là-bas, ou bien non. Mais ils ont préféré chanter chacun leur chanson. Je n'ai pas trop aimé, franchement, c'est le petit b-ball. Les candidats qui sont dans le forcing, José même a parlé de ça à Niaw. Il y a un gars là, il est venu faire envoler où il ne devait pas faire envoler. C'est pas dans toutes les chansons qu'on fait envoler, ou bien. Comment vous-même vous voyez ça? C'est pas dans toutes les chansons qu'on fait des envolées. Et dans la vidéo, ça, il choque pas un peu, il choque même pas même. Et s'il y a des Français qui me regardent? Donc je disais que c'est pas dans toutes les chansons qu'on fait des envolées. Franchement, les candidats, va falloir vous améliorer. Va falloir vous améliorer. Franchement, il y a trop de forcing. Hein? On a trop de forcing. DDB est-il légitime? Est-ce que DDB a sa place parmi les coachs? Ça, c'est une question qui revient beaucoup dans les commentaires. Les gens se demandent, est-ce que DDB? Mais DDB, qu'est-ce qu'il chante? DDB, c'est un chanteur, DDB, c'est un rappeur, DDB n'a pas de voix, dans une émission à voix, qu'est-ce que DDB vient faire là? Il faut aller dans une émission à voix, qu'est-ce que DDB vient faire là? Attends. Dans une émission à voir, est-ce que DDB vient faire là? Ce n'est pas un chanteur, c'est un rappeur. Il a beaucoup de talent dans le domaine du rap, mais pas assez dans le domaine de la voix. DDB, ok. Ok, bon. Donc DDB, franchement, moi je pense que DDB a entièrement sa place parmi les coachs. N'oublions pas les amis qu'il a grandi au village qui. Tout ce qui est musique là, DDB me connaît. Je crois que lui-même il a dit qu'il savait jouer du piano. Mon ami Camille dit que c'est faux, que lui connaît DDB, que DDB manquait, DDB ne sait pas jouer piano. Bon. Il ne suit pas plus que ça. Hein. Genre, je l'écoute, mais c'est moi. Si lui-même il a dit qu'il sait jouer piano, c'est qu'il sait jouer piano. Moi, il est parti faire quoi dans sa vie pour dire que. Bref, DDB il sait jouer piano. Franchement, ces sons où il chante seulement là, il fait bien. C'est chic. Donc franchement, sa voix n'est pas aussi mal que ça. Sa voix n'est pas, franchement, sa voix est chic. Donc il a une belle voix. Selon moi, il a une belle voix. DDB, actuellement, là, c'est quel artiste qui mousse? C'est DDB. Tout le monde aime DDB. Tout le monde dans le pays là. Bon, la plupart des gens en tout cas aiment DDB. Ou bien. Donc moi, je pense que quelque part, en plus de la voix, ils ont voulu se donner un peu plus de visibilité. Vous voyez le truc, non? Maintenant, j'aimerais relever un point. The Voice Afrique francophone spécial Côte d'Ivoire, là, ce ne sont pas les seuls du tout à prendre un rappeur comme coach. Regardez The Voice France. Il y a Big Flo et Oli. Ce sont les rappeurs. En fait, c'est pour montrer que le concours n'est pas ouvert seulement aux chanteurs. Mais vous dites The Voice. Moi-même, je n'ai jamais compris ce principe-là. Vous dites The Voice et vous envoyez des rappeurs dedans. Pourtant, vous-même, vous savez très bien qu'ils ne vont pas arriver loin. Voilà, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour ces rappeurs-là. Organiser des concours de rap. Bon, ça, ce n'est pas le sujet. En tout cas, DDB mérite sa place du moment qu'il connaît un peu la musique. Du fait qu'il a grandi au village qui, tout ça. Franchement, moi, je pense que DDB a entièrement sa place. Voilà. Voilà. Honnêtement, là aussi, ils ont parlé de lui. On dit que, mais c'est trop un concours. Genre, les gens qui parlent de musique, musique mondaine, musique religieuse, ceux-là, sont venus encore là. Honnêtement, là, est trop religieux pour ce concours-là. Franchement, toujours. Honnêtement, là, lui-même, il a vu si ça allait l'arranger ou pas de venir faire des choses. Et puis, il a appris, non. Vous pensez que quelqu'un vient de s'asseoir, là, c'est cadeau. Le gel est dans les. Il dit pas que c'est à cause du gel qu'on est venu, mais aïe. Si on lui donne, je sais pas, on dit que 1 million. Que quand tu as fait une mission, tu donnes 1 million. Maman, il est venu. C'est Dieu même qui a fait. C'est Dieu même qui a proposé. Il est toujours ouais, non? Aïe. Maman, il est venu. Dieu même a dit qu'il aime l'amour. Si les gens chantent l'amour, ça veut quoi? Nous ne sommes pas partis chanter. Toujours une chanson de Dieu dans la vie. Bon. Franchement, ça c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Les religieux, pardonnez-moi, ça c'est mon avis.
Voilà, donc Onan Mara lui-même, il a sa place aussi. Mais souvent, souvent, il y a des chansons, hein, je ne sais pas, les gens, il y a l'impression qu'ils ne se retrouvent pas trop dedans. Vous voyez le tout, non, ils ne se retrouvent pas trop. Voilà. Donc les amis, ainsi s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je pense que la prochaine vidéo, je vais attraper comme ça. Ça me parle plus. On me voit bien. Tout sort. Là, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait le montage, j'ai vu que c'était un peu bizarre. Donc, maintenant, je vais attraper ça comme ça. Et aimez, likez, commentez, partagez, likez massivement, les amis. Merci pour les likes lors de la dernière vidéo sur les Metgala. Continuez à liker. J'ai pris un réel plaisir à la faire. Voilà, je vous aime. Bisous. Bye.